Moi qui parlais. Voilà, et donc, bonjour Ève et bonjour Emmanuel. Donc, Bonjour. je te présente pas Emmanuel, tu la connais. Hein? Absolument. Bonjour. Voilà, et donc, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. D'accord. Alors, j'avais 4-5 ans et j'ai fugué de la maison pour aller retrouver ma vraie famille. Et j'avais pris un sac, j'ai mis une bouteille de lait et 1 kilo de sucre. Et arrivé au coin de la rue, je me suis dit, oui, mais même si je la retrouve, comment expliquer, comment est-ce qu'ils vont me croire? Et j'ai rebroussé chemin. Ensuite, j'ai été maltraitée par tous les hommes qui étaient censés me protéger, maltraitée physiquement. Par exemple, mon père, mon frère, mon mari. Et si ça continue, ce sera aussi mes enfants. Et ça depuis. Attends, je prends le temps de noter, excuse-moi. Je te dis après, hein. Je te dis quand c'est bon. Alors, quand tu dis maltraité, c'est des violences, tu veux dire physiques, des coups ou plutôt des Physique. violences sexuelles? Physique, des coups, j'étais battue et alors verbal aussi. D'accord. Ok, c'est bon. Je suis gauchère et j'ai un problème avec la gauche-droite. Je suis dyslexique, dyscalculie, enfin tous les 10, quoi. D'accord. Ok. Donc dyslexique. Ok. Alors, je me cogne facilement et dès qu'un moustique me pique, j'ai une cicatrice et ça me démange. Ok. D'accord. J'ai 40 ans, j'ai 3 enfants, je sais très bien comment on fait des bébés. Et au fait, depuis que je suis. Ben, voilà, je le précise parce que ce qui va suivre, voilà, j'aimerais pas que. Enfin, j'aimerais bien faire passer le message. Vas-y. J'ai eu énormément de grossesses. Après mon troisième, qui n'était pas désiré, bien sûr, et malgré toutes les précautions. Et surtout la dernière qui a eu au mois de juillet-août, c'était des jumeaux. Et alors, j'ai été prendre rendez-vous dans un planning familial, mais ils ne voulaient pas me donner le médicament. Il voulait absolument une anesthésie et pour moi c'était hors de question. Et donc j'ai, disons qu'ils sont partis à 4 semaines d'intervalle, D'accord. sans intervention médicale. Et ça c'est depuis que je suis dans la maison ici. Depuis que je suis dans la maison ici, ça va faire 4 ans. Enfin, il m'arrive que des catastrophes, quoi. Inondations, pieds cassés, invasion d'insectes. Ah oui, d'accord. Où est-ce que j'en Et étais? alors, c'est quoi ta question alors en fait? Parce que tu me dis des choses, mais c'est quoi Est-ce tes questions? qu'il y a une cause ésotérique derrière toutes ces grossesses? D'accord. Voilà. Combien est-ce que tu as eu de grossesse en tout alors? 8. 8 grossesses? Ah oui, d'accord. Très bien. Donc depuis que tu es dans cette maison, c'est là qu'ont commencé tous les problèmes. Oui. Pourtant, j'aime ma maison. Je lui Ah dis. oui. Oui, mais bon. C'est peut-être pas toujours suffisant. On va voir ce qui se passe. Ensuite, j'aimerais ne plus rêver de la maison où j'ai grandi. D'accord. J'ai un grand regret, au fait, j'aurais voulu être boulangère-pâtissière, mais mon papa n'a pas voulu parce qu'il fallait être à 6 h du matin chez le patron pour apprendre. Alors, est-ce que tu peux me télécharger tous les tomes du meilleur pâtissier? Ok. Et c'est quoi ta question là alors? Bien, si je peux avoir un don, j'aimerais bien avoir, disons, avoir assez d'énergie que pour m'y mettre, au fait, il est jamais trop tard. Bien sûr que jamais trop tard. Et puis, comme tu es d'accord pour tout, donc voilà. Ça dépend ce qu'on appelle pour tout. Dans la limite du raisonnable. C'est quoi le raisonnable? Ah ben ça, on en parlera après. J'ai une société et alors je suis tout le temps dans la limite. Ça veut dire que je travaille, mais
C'est pas dans la mesure, au fait, dans les capacités de ce que je pourrais faire. Je suis tout le temps en limite, pour tout. Énergie, argent, temps. OK. Et alors, je lis dans le mar à café et de façon récréative. Et j'aimerais savoir, est-ce que je peux continuer cette activité récréative? Parce que je pense que si je ne lisais pas dans le mar à café, personne ne viendrait boire un café chez moi. Évidemment, c'est une bonne raison. Voilà. En même temps, ça veut dire qu'ils sont pas là pour toi, Enfin, je caricature. Voilà, je caricature. Alors, quand tu fais le protocole de la nanotechnologie, je suis accro au Coca Light. Ah. En canette, uniquement en Ah canette. oui, le Coca Light, en plus, c'est le pire. Et ça, c'est arrivé au fait le jour où je suis tombée enceinte la première fois de mon enfant. Et je fume. D'accord. Avec le Coca, on fume, c'est logique. Ah bon? Et alors, voilà, j'ai un tatouage que j'ai détatoué à moitié. Et quand tu fumes, t'aimerais aussi te débarrasser de la cigarette? Oui, j'aimerais vraiment. J'ai la. Pour moi, c'est clair, j'arrive à mettre dans mon esprit, voilà, c'est stop, c'est fini. Je sais que ça va dire quelques jours, mais alors, en une fois, il y a quelque chose qui vient me perturber et Oui, c'est. non, mais quand c'est plus profond, c'est sûr que c'est pas si évident. Voilà. Ensuite, oui, le tatouage, l'ADN, Il est où ton tatouage? sur la hanche, côté gauche. Et c'est une rose, parce que ça pique. Ok. Et alors, j'aimerais savoir quel est le lien avec mes deux grandes sœurs vivantes et ma grande sœur morte que j'ai pas connue. Parce qu'au fait, quand j'étais enfant, quand j'ai su que j'avais une grande sœur qui était morte, je me suis toujours dit, zut, pourquoi elle et pas moi? Et alors, il y a D'accord. juste encore un point physique, enfin non, deux points physiques. J'ai au fait mon ventre qui est proéminent par rapport au reste de mon corps. D'accord. Et j'ai des poils au niveau de la barbe. OK. Et pour le reste, dans le protocole ORL et les yeux et les dents. Donc, ça. D'accord. C'est bon. Excuse-moi, j'ai au fait un immeuble et au fait, tous les locataires ont du mal à me payer en temps et en heure. Donc, D'accord. si c'est possible, si on a le temps. OK. J'ai vraiment fait le tour. Ah, Bon, eh ben super. est-ce Oui. que je peux appeler mes enfants et mon mari pour Alors, à l'accouchement? combien t'as d'enfants alors? 3. Pierre, Paul et Jacques. Paul, c'est la fille. Tu rigoles? Souvent, les enfants s'appellent Pierre, Paul et Jacques. Alors, tes 3 enfants et ton mari. Alors. Ok. Bon, ben écoute, pour moi, c'est noté. C'est. Sur le micro. Oui. À tout à l'heure, Emmanuel, à tout à l'heure, Pascal. À tout de suite. Allez, c'est parti pour l'aventure. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 110. 110, c'est ce qui me semblait. Tu étais déjà haut. Alors, vraiment, augmente ta fréquence. Dix mille à 10 800.
10 800? Très bien. Connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. Ça virevolte entre 113 et 120. Ça bouge dans cet espace-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ces variabilités? C'est comme une flamme bleue qui sautille dans cet intervalle-là. Mais je ne sais pas en fait, c'est ton état intérieur qui est comme ça. D'accord. Ok. C'est pas dû à une perturbation ou quelque Non, chose comme ça, non? c'est positif. D'accord. Ok, alors je me mets à, comme toi à 100, donc 10 800. Oui, c'est bon. Très bien, alors derrière ton plexiglas, c'est uniquement avec ton canal visuel. Connecte-toi donc sur Ève et dis-moi comment tu la vois. Elle se regarde elle-même, Oui. c'est-à-dire qu'elle n'a pas toute son énergie investie dans sa partie physique, et elle se regarde de l'extérieur. Oui. C'est comme si elle avait sacrifié en quelque sorte une partie d'elle-même pour pouvoir évoluer sur le plan physique. Et que l'autre partie reste en retrait et en observation, considérant que l'incarnation physique est un passage obligatoire, et qu'il faut en passer par là. Mais c'est comme si elle n'avait pas mis tous ses œufs dans le même panier, en quelque sorte, et parce que tout se passe pas forcément bien au niveau du corps physique, et elle se félicite quelque part de ne pas y avoir mis toute son énergie dans cette incarnation-là. D'accord, comme un système de garde-fou, quoi, quelque part. Oui. Donc l'essentiel de ses ressources est à l'abri, en quelque sorte, et à l'extérieur sur une fréquence plus élevée que la fréquence physique. Très bien. Que vois-tu Mais d'autre? cet état de fait, à la fois c'est un système de sauvegarde, et à la fois ça fragilise la partie physique. Ouais, c'est limitant pour elle. Oui. Ok. Que vois-tu d'autre? Si je regarde plus spécifiquement la partie physique, il y a des faiblesses et des déséquilibres, mais ça vient beaucoup du fait qu'elle n'a pas accès à toute son énergie, qui est donc sauvegardée sur un autre plan. Alors déjà, ce qui vient tout de suite, c'est que au niveau de sa matrice, c'est comme si elle lui appartenait pas, sa matrice. C'est-à-dire qu'elle est utilisée à son insu, contre son gré, et il y a un blocage d'énergie à ce niveau-là. C'est une autre énergie qui n'est pas la sienne, qui circule à travers sa matrice et qui l'utilise. Ceux qui l'utilisent, c'est des mantes. Je les vois clairement là en arrière-plan. Ok, combien t'envoies? Y en a 6, 7, il y en a 7. D'accord. Ok.
Au niveau de la tête, c'est comme si la tête était isolée du reste du corps pour pas qu'elle perçoive ce qui se passe. Pour faire un comparatif, tu sais, quand tu as une césarienne, on va mettre un drap comme ça pour pas que tu vois ce qui se passe. Mais là, cette séparation se fait par des séparations au niveau de ses perceptions de type électromagnétique. Il y a comme des murs électromagnétiques qui séparent ce qui se passe au niveau de la tête de ce qui se passe dans le reste du corps. D'accord. Mais pour que ces électromagnétiques puissent agir, il faut qu'il y ait des dispositifs à Oui, l'intérieur d'elle, des récepteurs. au niveau des trois premières cervicales, du cervelet et au niveau des tempes. Ça vient perturber la vue et l'audition, qui ne sont pas, qui n'ont pas l'acuité qu'ils devraient avoir. Il y a comme une sorte de, même jusque dans les mâchoires, comme une sorte de vibration. D'accord. Mais une sorte de vibration qui même serait une vibration de celle qui ferait que les dents se déchaussent à terme, les années passant. Alors, après, je redescends. Donc, au niveau du bassin, y a quatre points. Il y a les os du bassin. Et de chaque côté, mais à l'extérieur du bassin, il y a quatre points. C'est énergétique, comme si c'était maintenu là en place pour pouvoir travailler tranquillement à l'intérieur, dans la zone qui est située à l'intérieur de ce bassin, au niveau de la matrice. D'accord. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème alors? Elle n'a pas la mobilité qu'elle devrait avoir. En fait, je ressens qu'elle n'a pas les mêmes sensations que tout le monde, enfin que tout le monde, que devrait avoir tout être humain. Ça perturbe. Toutes ces sensations, ces ressentis, même au niveau latéralité droite-gauche, tout est chamboulé en fait. Parce que tout c'est comme si elle baignait dans une sorte de champ électromagnétique qui vient perturber ses propres champs biologiques. Et ça perturbe tout, D'accord. y compris le système de digestif, d'assimilation de la nourriture. Tout ce qui est transformation chimique dans le corps, c'est comme s'il y avait un décalage. Ouais, ça perturbe tout quoi. Oui. Et par quoi est-ce qu'il est produit ce champ électromagnétique? Donc là, ça me ramène aux vertèbres, ça part de là. Ah bon? Aux vertèbres et au cervelet. Enfin, c'est le point de passage. Et Oui, mais si je remonte ça c'est des plus haut? récepteurs. Oui, Mais le comme des relais, c'est des relais. voilà, mais le champ électromagnétique, il est produit de l'extérieur, non? Oui, il vient d'un vaisseau. Ah ben voilà. Il vient d'une sorte de générateur qui est dans un vaisseau. C'est le vaisseau des mantes. C'est important de le voir parce qu'il va dégager avec tout le reste.
Très bien. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre? Là, c'est tout pour l'instant. Très bien. Alors, identifie Eve, regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui, c'est elle. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, elle l'a demandé parce que cet état de déséquilibre dans lequel elle n'a pas mis toute son énergie dans la partie physique, c'est en train de bouger et il y a comme une sorte d'aspiration de son énergie qui se produit, comme si la partie physique voulait plus d'énergie, est en train de l'aspirer, sauf que ça ne lui profite pas à elle. Et là, il y a comme une sorte de panique et d'urgence, de sentiment d'urgence. Donc elle le demande, oui. Très bien. Quand ce fameux dispositif dans le vaisseau qui génère donc ces ondes électromagnétiques, est-ce qu'il est relié à plusieurs personnes? Et du moins, à combien de personnes est-il relié? Parce que ça, c'est sûrement, c'est évident. Alors, il y a plusieurs dispositifs de ce type qui chacun ont environ 500 humains. D'accord. C'est que ça fait comme des groupes. Et il y a combien de générateurs comme ça? Il y en a des milliers. Des milliers de générateurs dans ce vaisseau? Non, pas dans ce vaisseau. Ah, moi je parlais de ce vaisseau. Non, des milliers de vaisseaux qui possèdent ce type de générateur. Ah oui, donc ce vaisseau n'en a qu'un seul. Dans ce vaisseau-là, il y en a trois. Donc ça fait 1500 personnes. Oui. D'accord. Ok. Alors, c'est simple ce qu'on va faire. Déjà, on a sa permission donc pour agir. Ok, elle a accepté, elle nous a donné son pouvoir juste pour cette séance. Donc, en son nom, on va convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle. Donc, qu'elle le veut ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles t'apparaissent toutes devant toi. Un, deux, trois. Alors, il y a les mantes qui apparaissent en premier. Il y a des gris. Mais ça, c'est comme des conséquences. Des sortes de gros vers blancs qui, eux, interviennent au niveau de l'appareil digestif. D'accord. Mais eux, c'est comme des sortes de parasites, en quelque sorte. Oui, c'est les conséquences des déséquilibres. Ils Oui. ont pu trouver la faille et s'installer C'est ça. pour profiter de la manne. Oui. Ok. Tu vois d'autres choses? Attends, je regarde parce que ça, c'est le premier plan. Et en arrière-plan. Il y a des vortex, mais c'est des vortex artificiels. Parce que ces vaisseaux ne se placent pas n'importe où, en fait, sur le plan terrestre. Ils viennent se situer par rapport à des vortex qui sont situés à intervalles réguliers. Et ces vortex eux-mêmes sont gérés. C'est toute une chaîne, en fait. Ces vortex eux-mêmes sont gérés par des sortes d'êtres avec des cornes qui ressemblent à des démons. C'est un petit peu comme tu as ceux qui sont au sol et ceux qui sont sur un autre plan et qui viennent s'installer entre les
plots en quelque sorte que constituent ces vortex qui sont installés par ces êtres. Ok. Très bien. Donc, est-ce que tu vois d'autres choses encore? Non. Donc, de quelle manière est-ce que ils génèrent ces vortex? Alors, ce sont ces fameux plots, c'est eux qui génèrent ces vortex? Ce sont ces êtres qui génèrent ces vortex. Quand je parle de plots, c'est pour faire comme un comparatif, en quelque sorte, une analogie. Parce que ça fait comme des points de repère, comme des points d'ancrage à partir desquels viennent se baser les vaisseaux. D'accord. Combien est-ce que tu en comptes sur Terre, à peu près, de tous ces vortex-là? Il y a de 4 à 6, voire jusqu'à 8 8 vortex. Vortex d'ancrage par vaisseau. Donc après, c'est multiplié par le nombre de vaisseaux qu'il y a sur toute la surface terrestre. Voilà, là. D'accord. Donc ça fait une quantité impressionnante. C'est comme un maillage. Ok. Alors on va tenter quelque chose au niveau de tous ces vaisseaux et de tous ces vortex et de leurs mécanismes. On va se relier à toutes les forces de lumière. On va faire un appel à toutes les forces de lumière qui sont actives en ce moment pour ce grand nettoyage. Dans quelques dimensions que ce soit intra-terre, que ce soit terrestre, que ce soit au-dessus de la Terre et autour de la Terre, et même dans cette matrice-ci au-delà. Oui. Voilà. C'est un énorme réseau multidimensionnel. On est d'accord? Oui, je le ressens. Voilà. C'est puissant. Tu vas lancer l'information maintenant d'agir en commun, en unité. Oui. Et nous allons viser chacun des vaisseaux. Chaque vaisseau, chaque vortex. Et je veux compter à trois. Et à trois, à l'unisson, dans cette énorme unité, nous allons créer une déflagration. Alors c'est expérimental, je ne dis pas que c'est sans prétention, mais ça ne coûte rien d'essayer. Chacun va accumuler l'énergie qu'il faut. Et lorsque tu me diras que c'est prêt pour tout le monde, que tu sentiras que tout le monde est prêt, je compte à trois et chacun, à l'unisson, va créer une déflagration qui va déstabiliser et pourquoi pas détruire tout leur système et leur vaisseau. Il y a des points de contact qui sont en train de s'établir. Je veux que tout se relie à leur soleil central, à la grille cristalline, la grille magnétique. Oui. Que tout soit relié évidemment à leur essence et bien ancré pour ceux qui sont incarnés au cœur de Gaïa. Ça va secouer, parce qu'il y a des filaments de lumière qui sont en train de... C'est comme deux pôles inversés qui se mettent en lien avec le pôle qu'on pourrait appeler positif, qui est prêt à être mis en charge. Ok. Et je veux que soient visés également tous les systèmes qui maintiennent la fausse grille magnétique. Et je veux que soit visé aussi tout le système archontique. C'est ambitieux, mais tout est possible. Et ça ne coûte rien d'essayer. Ce que tu demandes, ça vient se rajouter à quelque chose qui est déjà en train de se faire, en fait. Oui, justement. Une alliance multidimensionnelle, y compris dans le monde archiavélique, et relié aux forces également du monde, j'ai perdu le terme, trou de mémoire, c'est marrant, mais c'est pas grave, du monde morontiel.
Et c'est puis en les êtres place. reliés de tous les soleils centrales. Il n'y a pas de calcium, évidemment. On dit OK? C'est en place, oui. Alors, je compte à 3. Et à 3, c'est une énorme déflagration qui va secouer tout le système archontique. 1, 2, 3! Il y a tout qui a bougé en fait. Ça s'est déplacé. J'ai mal à la tête. Ça va? Pourquoi t'as mal à la tête? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme deux puissances qui se sont entrechoquées, qui ont glissé l'une contre l'autre. Et ça a généré dans ma tête un court-circuit électrique. Ok. Tu peux demander à l'élémentaire de ton corps de faire les réparations maintenant. Regarde si tu es toujours bien connecté à ton essence, bien ancré. Et ton élémentaire va tout refaire les connexions. Réparer ce qui doit l'être. Qu'il prenne le temps de rétablir tous les circuits, de tout réparer, de remettre en ordre. Et d'y injecter une onde de bien-être. Il faut que je lâche, en fait, parce que... Faut que tu lâches quoi? Ça dépend pas de moi. Faut que tu lâches quoi? Avec cette onde qui vient de se passer. Ok, alors lâche maintenant. Tu coupes complètement. Maintenant que c'est fait, tu coupes. C'est bon. Ça lâche. Très bien. Est-ce que ton alimental remet tout en ordre? Oui, ça se rétablit tranquillement. Bon. Ok. Alors maintenant, au nom donc de Ève, c'est marrant, Ève d'ailleurs, hein, c'est le nom de cette nouvelle humanité. Alors. En fait, il y a comme un raz-de-marée énergétique. Qui se passe en ce moment, je veux dire. Et c'est tellement puissant qu'il faut veiller à rester au-dessus. Sinon, Oui. ça crée des courts-circuits, sinon. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par rester au-dessus? Pour ceux qui écoutent cette vidéo, qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Plus léger, comme flotter au-dessus de... Toutes ces vagues puissantes, ne pas se laisser emporter. Voilà, donc ça veut dire psychologiquement de ne pas être dans la peur, de ne pas se sentir paniqué. Rester comme léger, détaché, en même temps partie prenante, mais dans la légèreté. Très bien, avoir confiance totalement, quoi. Oui. Et s'en remettre totalement à ce qui se passe pour pouvoir aider le processus. Oui, parce qu'il est en train, il est en train de se faire de toute façon. Qu'est-ce que tu vois que ce qu'on vient de faire a produit au sein de cette matrice? Est-ce que tu vois qu'il y a eu un réel effet? Est-ce que c'est une peccadille dans un énorme système où il y a eu un effet efficace? C'est une grande vague. De nettoyage, mais dans un processus qui se passe en ce moment où il y a déjà des vagues. Mmh. Oui, ça donc, rajoute. Oui. Ça renforce et rajoute cette vague. Voilà, c'est une vague supplémentaire, plus puissante. Très bien. Ok. Et qu'est-ce que tu vois que ça a fait bouger alors du coup? Ça a fait sauter ses plots, ses vortex. Pas tous, mais en tout cas, tous ont été affectés. Il y en a qui ont carrément sauté, et d'autres qui ont été déplacés, renversés. Et en tout cas, tous ont été affaiblis. Est-ce que tu vois que des vaisseaux ont été
endommagée. Oui. Il y en a qui sont totalement désactivés, d'autres qui sont tombés, c'est-à-dire qu'ils sont plus à l'horizontale. Ils sont à 45 degrés, inactifs. Et tous ont bougé sur leur base, en tout cas. Au niveau de ces générateurs, il n'y en a plus aucun qui fonctionne correctement. Bien, c'est une bonne nouvelle. Ok, bon, on en revient aux moutons. Donc maintenant, pour toutes les entités que nous avons identifiées et celles qui n'ont pas été identifiées, qui se cachent peut-être, peu importe, qui sont en lien direct et indirect avec elles, elle va déclarer qu'elles rompent tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création. Et on ouvre un grand portail dimensionnel, tout le monde va partir, jusqu'au monde jusqu'aux archontes, voilà, qui quittent son champ de création, de tous ces champs de création, donc avec tous leurs dispositifs, vus et pas vus, connus et inconnus. Avec les traces, mémoire, empreintes, programmation, système reproductif. Je compte à trois et tout disparaît totalement, complètement et définitivement. Un, deux, trois. C'est bon, tout est parti. Très bien. Bon, maintenant, on va la mettre dans une bulle protégée. Scanne là d'abord, scanne tous ces corps, vérifie qu'il ne reste plus rien. Non, il n'y a plus rien, mais toutes ces énergies sont en désordre. Et il y a des vides, des trous. Bien sûr, c'est pour ça qu'elle va se connecter maintenant à son essence originelle, se créer des racines juste pour cette existence. Et maintenant, elle va tout réparer, rééquilibrer, faire tout ce qu'il faut pour que dans un premier temps, pour continuer cette séance, elle soit dans un meilleur état. Oui, c'est bon. Très bien. C'est pas tout rétabli, mais Non, non, mais c'est c'est beaucoup juste mieux. pour dépanner, hein. On la met dans une bulle christique pour la protéger le temps du travail. Oui. C'est bon. Bien. Alors, on va appeler son soi supérieur, ou en tout cas, tu vas le trouver et dis-moi où est-ce qu'il réside et dans quel état vois-tu, le vois-tu? Il est attentif. Il est focalisé sur elle, comme si elle réclamait une attention particulière. Il est sur quel plan? Il est à l'extérieur, D'accord. au-dessus. Le plan Morentiel? Oui. C'est comme s'il y avait une sorte de projecteur qui part de son soi supérieur vers elle, qui l'observe avec comme une attention particulière. Dans cette expérience risquée qu'elle est en train de faire sur le plan terrestre. Et c'est vraiment, tu sais, comme le rayon d'un projecteur qui part du soi supérieur vers elle. D'accord. Avec, Ok. c'est un rayon d'amour et de compassion aussi qui va vers elle. D'accord. Très bien. Et quand tu dis une expérience risquée, quel a été son but en entrant dans cette matrice alors? C'était quoi son objectif initialement? Initialement, son objectif n'était pas de s'incarner sur le plan physique terrestre en tant qu'être humain. D'accord, ça a été une conséquence. C'est comme si elle y avait été
poussée, obligée à un moment donné. L'objectif était de rester, de descendre dans la matière, mais de rester sur le plan énergétique et d'agir à ce niveau-là. Et elle a été comme poussée, écrasée et quelque part obligée d'investir une partie de son énergie dans l'incarnation terrestre. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine sur Terre? Alors ça me dit 5. 5 vies humaines, ça nous. D'accord. Ok. Très bien. Et à chaque fois, elle est obligée d'investir un peu plus d'énergie. Ben oui, à chaque fois, les taux se resserrent. C'est ça. Donc, il faut qu'elle soit de plus en plus... Ouais. Ok. Alors, si tu appelles son âme, comment tu la vois, son âme? Anxieuse. C'était pas ça qui était prévu. C'est de l'anxiété qui ressort. Ok. Bon, on va aller directement donc sur le plan morentiel et on va commencer le ménage. Donc, tu vas la chercher sur le plan morentiel, tu me dis comment tu la vois ou perçois. Donc, je compte à trois, ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Ah oui, j'y suis. Comment est-ce que tu la vois ou perçois? Libre et légère. Elle a des couleurs? Alors, il n'y a pas de forme. Et il n'y a pas de couleur précise. C'est comme des paillettes multicolores. D'accord. Donc, ça change sans arrêt. Ok. Alors, demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Ah oui. Elle est l'instigatrice de cette séance? Oui. Ok. Donc, elle sait ce qu'on va lui proposer, de descendre au sein de cette matrice, à l'orée de cette incarnation, pour la reprogrammer, la réinitialiser. Oui. En traversant toutes les couches archaïques et les couches matricielles. Est-ce qu'elle en a toutes les connaissances? Les connaissances de tous les pièges, de tous les systèmes archaïques et matriciels. Elle a les connaissances jusqu'à un certain point. Oui. Et après, non. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait les connaissances des deux premiers tiers, mais lui manque la connaissance du dernier tiers. Très bien. Alors pour ce dernier tiers, elle va chercher dans les annales et elle va trouver les êtres qui ont réussi avec toutes ces connaissances donc, et toutes leurs compétences à franchir donc, tous ces caps. Donc elle trouve les meilleurs, les meilleures compétences. Elle va pouvoir s'en inspirer, prendre de l'information. Elle va prendre l'information auprès, c'est marrant ça, auprès de son groupe. Très bien, c'est quoi ce groupe alors? C'est le groupe qui, comme elle, avait décidé de s'arrêter à un certain niveau de la descente énergétique pour agir au niveau énergétique de ce plan-là. D'accord. Mais tous ne sont pas restés là. C'est comme si tout le monde était venu jusque-là. Et ensuite, à partir de là, chacun a eu des voix et comme des destins différents. Mais il y en a pour qui ça se passe bien. Et c'est auprès d'eux qu'elle prend l'information.
Très bien. Alors, je suppose qu'il y en a pour qui ça se passe bien et d'autres pour qui ça s'est mal passé. Oui. Alors, est-ce qu'elle C'est-à-dire peut... qu'il y en a qui sont restés sur ce plan-là, et il y en a qui sont arrivés à descendre jusque dans l'incarnation terrestre humaine, mais sans être affectés comme elle l'est elle. Très bien. Alors, ce qu'elle va faire, elle va se connecter à tous ces groupes, hein, où qu'ils soient incarnés en intra-terre ou en extra-terre, peu importe. Elle se connecte à tous ces groupes, hein, et aussi à tous les autres groupes, hein, Adam, soyons fous, tous les autres groupes de toute la nature qui sont des forces de lumière, de vie et d'amour. Elle se connecte à tous et elle transmet l'information de ce qu'elle est en train de faire pour que tous ceux qui en ont besoin, maintenant, aient accès à ces ressources, à cette méthode, à cette libération, à cette conscientisation, à cette levée, libération d'énergie, de souveraineté, de puissance, de créativité illimitée, de liberté et d'autonomie. Que chacun soit, reçoive l'information, où qu'il soit, dans quelque dimension que ce soit. Elle ouvre les verrous. Elle ouvre les verrous de l'information. Il y en a beaucoup. Voilà. Et que tous reçoivent les informations et qu'ils soient donc au fait de ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui et que chacun puisse s'en inspirer et faire pour soi ce qui est nécessaire pour se libérer, reprendre sa souveraineté, retrouver sa véritable nature essentielle avec sa puissance et sa créativité illimitée, son droit divin à être qui il est et à le manifester. Elle est en train d'ouvrir une multitude de verrous et toute l'information se diffuse. Alors il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Donc elle prend ce qui la concerne, parce que ça part dans tous les sens en fait, l'information. Ah oui, bien sûr. Je suppose que ça doit être énorme. Oui. Donc elle prend ce qui la concerne, ce qui peut lui servir concrètement. Très bien. Chacun va puiser dans cette, on va dire, bibliothèque de connaissances et de compétences Oui. d'information. Oui. Et chacun va s'en inspirer à sa façon, dans ce qui est bon et juste pour soi. Alors Oui. maintenant, est-ce qu'elle a toutes les informations pour descendre en toute légèreté, liberté, souveraineté jusqu'à sa partie physique incarnée? Là, oui. Alors c'est le moment d'y aller. Tu me dis lorsqu'elle est arrivée. C'est bon. Très bien. Alors, demande-lui maintenant quel est son projet dans cette nouvelle ligne de temps pour cette incarnation. D'avoir toute son énergie à sa disposition sur ce plan-là physique et d'agir de ce centre-là. Parce que là, ça pouvait pas marcher. Elle essayait d'agir avec pour base un autre plan et avec ayant pour relais le corps physique. Et ça marchait pas. Donc là, elle a tout fait descendre sur le plan physique. Et là, c'est efficace. Là, c'est correct. Très bien. Et quand tu dis agir sur ce plan, de quelle manière elle veut agir alors? Qu'est-ce qu'elle compte y faire une fois que tout ça, cette énergie est à sa disposition? C'est comme une lumière scintillante qui est en lien avec les autres lumières scintillantes de la même nature qu'elle. Et ça crée tout un réseau. C'est une mise en réseau de ces lumières scintillantes. D'accord. Ok. Mais il n'y a rien de particulier à faire à partir du moment où elle est incarnée pleinement, avec toute son énergie incarnée pleinement dans la partie physique.
ça rayonne et les connexions se font avec les autres. Oui, c'est juste une question de présence, quoi. Oui. Et de conscience. Oui. Très bien. Ok, beau projet. Alors, c'est le moment où on entre dans l'incarnation. Dis-moi, quel moment elle choisit d'être à 100% dans ce corps physique? De suite après la conception. Très bien. Alors pour moi, pour travailler, ça ne me convient pas. On va avancer dans le temps, on va aller juste avant sa naissance. Oui, Très bien. Bélier. Dis-moi, quel pourcentage elle est connectée à son essence à ce moment-là? À 85%. 85%. D'accord. Alors, elle va se connecter à 100%. Oui, c'est bon. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Dans ce qu'elle a à y faire. Oui, c'est fait. Maintenant, elle regarde son arbre généalogique, elle décide. Que veut-elle faire? Couper complètement, partiellement, transmuter, élaguer, réaménager, reprogrammer. Elle transmute en fait, elle envoie de l'énergie et de l'information. Elle n'a pas besoin de couper parce que cette information et cette énergie qu'elle envoie, c'est puissant et c'est comme quelque part brûlant. Donc tout ce qui ne correspond pas à cette fréquence dans l'arbre généalogique, clac, ça tombe. Ça se coupe tout seul. Très bien. Ok, maintenant elle va regarder son ADN et elle va faire la même chose pour son ADN. Elle va regarder sur tous les plans, mental, émotionnel, physique, tout ce qui empêche, tout ce qui limite sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa puissance, sa créativité limitée, sa conscience, ses connexions à toutes ses parties supérieures et une santé parfaite, tout ce qui empêche tout cela. Que soit traité comme il se doit. Oui, c'est fait. Qu'elle regarde l'ADN des humanités trafiquées et est-ce qu'elle peut y faire quelque chose pour elle? En partie seulement, parce que c'est comme si son ADN à elle était particulier. Donc, elle est concernée vraiment par une petite partie de ce qui s'est passé à l'échelle de l'ADN de l'ensemble des humains. Ok, très bien. Elle peut se servir de l'arbre séphirotique hein, pour la perfection du schéma initial de l'ADN, pour le tout le réaménager, restructurer et installer les programmes qui manquent ou éliminer ceux qui sont erronés. Oui, c'est fait. C'est sûrement plus simple. Ok. Maintenant, elle va préparer sa sortie, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, tout autour, et elle vient au monde. Oui. Alors, elle remonte toute sa ligne de temps, elle reprogramme chaque seconde maintenant dans cette nouvelle conscience, dans le rappel de qui elle est et pourquoi elle est là, avec l'expression de tout son potentiel, sa créativité illimitée, sa souveraineté, sa liberté et son autonomie. Elle est forte, puissante et lumineuse, Voilà. et personne ne peut l'approcher, ni lui faire du mal, ni quoi que ce soit. Très bien. Et elle transmute tout ce qu'elle peut au passage. Avec amour, lumière et compassion. Y a une puissance qui se dégage d'elle. Tu me Elle est diras qu'elle là. est arrivée. Très Elle est bien. là. Alors, on va éliminer l'ancienne ligne de temps. Ok. Donc,
On va déclarer que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps et toute boule de création, avec traces, mémoire, empreintes, programmation, duplication, copier-coller et tout système opératif, que tout soit annulé, effacé, rompu. 1, 2, 3. Ça s'est évanoui d'un seul coup, il n'y a plus rien. Très bien. Maintenant, elle va rompre avec tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive, dans les mêmes conditions que celles de l'ancienne ligne de temps. 1, 2, 3. C'est fait, c'est coupé. Elle rompt à présent avec toutes les lois matricielles et archiavéliques, quelles qu'elles soient, celles du karma. Elle rompt avec tous les archétypes et les égrégores, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. 1, 2, 3. C'est fait. Elle rompt et efface avec racine tout système reproducteur, toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. 1, 2, 3. C'est fait. Elle efface maintenant toutes les peurs et les pensées racines et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. C'est fait aussi. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception et de tous mes corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. C'est fait, elle s'impose. Et elle va s'imposer d'autant plus qu'elle va dire « J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., leur organisation ou association auquel je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tout contrat, dispositif, implant, technologie de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. » C'est fait. Bien. À présent, on efface les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qui est bon et utile pour elle. Et nous éliminons tout le reste, dans les mêmes conditions que celles précitées, avec tout ce qui a été dit et cité. 1, 2, 3. C'est fait. Elle a gardé haut et clair l'essentiel, en fait. Les informations sources. Bien, l'essentiel. Oui. Maintenant, tu vérifies, tu scannes tous ces corps et tu regardes s'il y a des traçages ou des marquages archiavéliques et matriciels. Alors, c'est pas réellement des marquages en fait, c'est simplement à la surface de ces corps énergétiques. Mais c'est ce qu'elle a modifié elle-même pour pouvoir descendre. Il y a des dispositions d'énergie particulières qui sont un peu comme... qu'elle a installé de cette façon-là comme une sorte de camouflage. Ok. Elle en a encore besoin ? Non. Alors on élimine avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. C'est parti. Très bien. Alors, c'est le moment d'intégrer tous ses corps et toute sa biologie, jusqu'aux moindres cellules et particules. Oui. Elle va faire connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois. En fait, je vois des lignes. Disposés harmonieusement, qui sont en attente d'être d'un codage.
C'est comme un potentiel qui est en attente de codage. Très bien. Ok. Et quel est le codage qu'il attend alors ? C'est le sien spécifique qu'elle va installer et qui n'est semblable à aucun autre. D'accord. Ok. Et dans l'objectif qu'il ne soit pas... C'est pas possible qu'il soit recopié. Ok. Donc, il sait comment faire ? Oui. Bon, alors déjà, on va lui demander de... Donc, d'harmoniser, de rééquilibrer tous ses corps, de tous ses systèmes, fonctions, organes, etc. Tout guérir, nettoyer, etc. Pour ça, on connecte l'eau de son corps à l'eau primordiale. Oui. Maintenant, elle connecte la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère de son corps à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère de son corps à l'atome primordial. Oui. L'électron mère de son corps à l'électron primordial. Oui. Proton mère de son corps au proton primordial. Oui. Le neutron mère de son corps au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère de son corps au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère de son corps au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère de son corps à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère de son corps à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère de son corps à la lumière primordiale. Oui. Très bien. Maintenant, elle va connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. C'est fait. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. C'est fait. Et maintenant, elle va activer ce qu'elle doit activer. Tous ces codes dont il était question. Et ça y est, ce qui se passe. Qu'est-ce c'est fait. Alors en fait, pour faire une analogie, c'est comme quand tu dois créer un code sur informatique. Mmh. Tu vas te baser sur ce qui est imposé en quelque sorte, c'est-à-dire il faut, par exemple, hein, c'est toujours une analogie, il faut des majuscules, des minuscules, des chiffres, des lettres, des symboles, etc. Donc elle se sert de tous ces éléments-là et à partir de là, elle crée son propre code à elle qui est inviolable. Et qui est... chaque être humain a le sien. On ne peut pas le recopier. Ah oui. Alors attends, là je vais noter, parce que ça peut faire partie du protocole. Comment tu l'appelles ce code ? Je sais pas. C'est... C'est son code de vie... C'est sa signature. C'est sa signature énergétique sur ce plan-là, qui lui permet de fonctionner sur ce plan-là terrestre, qui prend en compte. C'est comme un miroir, en quelque sorte, de sa partie divine. Mais ça n'est pas l'exacte image, parce qu'il faut que ça puisse rester crypté et uniquement accessible, elle seule a le code, uniquement accessible par elle. Donc crypté et inviolable. Oui. Donc tous les éléments que tu as cités de mise en place... Ce sont comme
des briques et ensuite elle les assemble. Pour former ce code, ce cryptage. Très bien. Alors, dans le cas précis donc de Eve, qu'est-ce qui s'est passé quand elle a installé et activé ça? Pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ça a installé, stabilisé, installé, sa flamme divine sur le plan terrestre. C'est comme si elle avait installé son propre vaisseau. Et il est inviolable. Très bien. Bon, c'est une bonne chose. Est-ce que maintenant, après ça, elle peut faire l'activation de l'arbre séphirotique? Est-ce que c'est compatible ou pas? Excuse-moi, c'est les codes d'activation de sa présence sur le plan terrestre. C'est ce qui lui permet d'être présente là physiquement sur le plan terrestre en restant inattaquable, en fait. C'est comme un œuf. Et elle seule à les codes d'ouverture. Elle garde la complète maîtrise. D'accord. Ok. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, je vais poser la question de savoir s'il est adéquat d'activer l'arbre séphirotique. Elle s'en sert comme d'un outil. Très bien. Donc, elle l'active? Oui. Parfait. Maintenant, est-ce qu'on peut placer et activer une fleur de vie? Oui. Placer et activer une graine de vie? Oui. Très bien. Alors que ce soit fait, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Parfait. Tous les éléments que tu viens de citer, en fait... c'est comme un canevas sur lequel elle crée son propre dessin. Très bien. Alors donc, maintenant. Donc le canevas est essentiel à l'installation de sa création, mais sa création, elle est unique et elle n'est pas reproductible. Très bien. Donc c'est impossible de la façon dont elle a procédé, c'est impossible de faire un clone par exemple, c'est pas possible. Eh ben, c'est une bonne nouvelle ça. Donc c'est officiel, c'est dans mon protocole dorénavant. Une découverte de plus. Je sais pas où on va s'arrêter. Hein. C'est une aventure infinie et éternelle. Allez, donc je vais dire maintenant, je vais citer à l'élémental de son corps tout l'ensemble des systèmes, donc les systèmes principaux de ce corps. En fait, chaque être humain procède de sa façon à lui, c'est-à-dire que sur un protocole de base, chaque être humain a sa façon de procéder. Et comme chaque essence vient de sources, d'origines différentes. À chaque fois, il y a des apports différents. Donc, ça ne peut pas rester figé, ça ne peut pas s'arrêter. Mmh. C'est toujours en évolution constante. Et ce que je viens de décrire, je le vois parce qu'elle le fait devant moi. Mmh. En fait, chacun a une signature unique et en même temps est en auto-création. C'est ça. D'une manière unique et je veux dire incopiable quoi. Oui. Ok. Et quand on fait ça, ça lui donne accès à cet état d'être. C'est ça. Parfait. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Alors je me répète.
Donc elle va inviter son allié mental maintenant à procéder aux harmonisations et à tout ce qu'il faut pour chacun des systèmes qui vont être cités, les systèmes principaux. Oui. Mais avant ça, ce qui est nouveau dans mon protocole, on va regarder, on va effacer la mémoire donc de l'atlas. Non, non, c'est pas ça que je voulais dire. On va d'abord travailler sur l'atlas. On va recentrer l'atlas. Tu sais ce qu'est l'atlas? Oui. Voilà. Et cet atlas est très important dans le corps humain. Et pour la plupart des humains, il est décalé et il est dysfonctionnant. On est d'accord? Oui. Alors, elle va demander à l'élémental de son corps de faire ce qu'il faut pour le remettre en ordre, à la bonne place, en bon ordre et dans un bon fonctionnement. Oula. Voilà. Ça bouge. Ouais, Très c'est. profondément, très profondément. Ça descend très profond. Ça descend dans des couches extrêmement denses et profondes de mémoire. Ça agit sur moi aussi, ça. Ben oui, profites-en. Hein. Là, je te conseille d'ouvrir tous tes canaux, hein, tous tes ressentis, pour que tu en profites pleinement. Ça vient libérer très en profondeur des mémoires, des blocages, ça vient comme décoller, décoincer, débloquer. Ça vient redonner de la mobilité à des couches qui sont très très profondes et qui sont tellement même lointaines et profondes qu'on avait presque même oublié qu'elles étaient là. Et qu'est-ce que ça amène Ça comme fait, changement? pour faire un comparatif, ça fait comme un tremblement de terre en fait, mais d'un point de vue énergétique sur des couches très profondes de mémoire. Et ça donne accès à quoi alors du coup? Ça libère de l'énergie. Parce que le fait que ces couches profondes soient bloquées, ça fait comme si je compare au sous-sol de la Terre. Ça fait comme des poches d'énergie. Comme dans la Terre, il peut y avoir des poches de gaz naturel. Et quand tout bouge, il y a tout qui remonte à la surface. Et ça modifie, ça fait un apport important d'énergie que même il faut doser. Et ça vient tout réorganiser. Très bien. Je te demande une seconde. Ok, donc tout est en train de se réorganiser. On est d'accord. Oui. Et maintenant, ce qu'on va rejeter encore au protocole, qui est tout nouveau, ça vient juste de sortir, c'est une exclusivité, mesdames et messieurs, on va travailler chacune des vertèbres. Chaque vertèbre est une touche de piano. Eh oui, parce que en Et fait. jusqu'au coccyx. On sait que le coccyx est un siège de mémoire également. Je veux que tout soit travaillé maintenant. Au fur et à mesure que Sur tous les les. plans. Avant que tu le dises. Avant que tu le dises, au fur et à mesure que ces couches profondes de mémoire se réorganisent, il y a une redescente qui se fait, clac, 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 Voilà, clac, clac, chaque au vertèbre. niveau de chaque vertèbre. Mais Voilà. ça a commencé à se faire avant que tu le dises, en fait. Bon. Dis-moi que je ne sers à rien. Et ça arrive jusqu'au coccyx. Voilà. Donc le coccyx étant aussi un siège important de mémoire. Donc qu'il fait ce qui est juste et bon pour elle, qu'elle fasse ce qui est bon, juste et bon pour elle, pour libérer ce qui doit l'être et informer ce qui doit l'être. Alors, à chaque vertèbre, ça vient
au niveau des organes, ça vient tout faire Ouais. vibrer, tout remuer, tout. Bah, chacune correspond à des systèmes, des fonctions, des organes et à des corps, Oui. etc. Et c'est multidimensionnel, c'est quantique et c'est en même temps fractal. Il y a comme, pour revenir à l'analogie des de la Terre, c'est comme s'il y avait des glissements de terrain qui se produisaient, mais dans un objectif de réorganisation. Et ça se fait au niveau de chaque vertèbre. Et ça crée un flux et un reflux, en fait. Ça monte et ça descend, ça va de l'atlas jusqu'au coccyx, et puis ça, hop, ça remonte. Ça crée un circuit. Très bien. Et qu'elle veuille bien que tout ce qui soit fait, ça reste pas sur des plans subliminaux, subtils. Je veux que tout s'incarne dans sa matière, hein, dans tous ses atomes. Ça vient au niveau du fonctionnement du corps, du métabolisme du corps en général. Ça lance une nouvelle réorganisation. Voilà, ça remet tout en place, ça recalibre tout, ça Oui, réinforme tout, c'est ça. ça y fait le ménage. C'est ça, c'est l'étincelle de départ d'une réorganisation, Voilà. un rééquilibrage. Ok. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon. Bien, alors maintenant. Avant d'entamer les systèmes principaux, on va effacer toutes les mémoires de l'ancien. Allez, je compte à 3 et tout s'efface avec les traces et les empreintes. 1, 2, 3. C'est fait. Pour chacun des systèmes, elle se sert de l'arbre séphirotique pour tout remettre dans sa perfection initiale, selon le Oui. schéma divin. Très Oui. bien. Donc, elle va travailler sur chacun des systèmes, dans le détail et dans le global, et ensuite dans l'ensemble des systèmes, en interrelation et en synergie les uns avec les autres. Est-ce que c'est bon pour elle? Oui. On commence. Système cérébro-spinal. Oui. Système nerveux. Oui. Système sanguin, avec toutes les filtrations, nanotechnologies, vaccins, substances étrangères, médicaments, radioactivité et tout ce qui est étranger, donc au sang d'origine jusqu'au plan informationnel. Oui, alors tu sais tout ce qu'on vient de faire avant là, Oui. avec l'atlas et le coccyx. En fait, tout est réharmonisé déjà. J'ai l'impression d'être, tu sais, dans ces films de science-fiction où on voit les corps humains qui sont placés dans des sortes de caissons de régénération dans une atmosphère spéciale. C'est-à-dire que là, j'ai tout le corps qui est en train de vibrer différemment. Mais réellement comme si j'étais dans ce type de caisson avec elle. Et quand tu passes chaque système les uns après les autres, ça multiplie la vitesse, ça multiplie La puissance, l'efficacité et la la puissance. puissance. Oui. Ça vibre différemment. Ça fait passer sur un autre plan. C'est bizarre. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Toutes les cellules du corps qui vibrent. C'est sur un autre plan. Comme si je dis ce que ça fait sur moi, en fait, parce que Oui, c'est important. je suis sur le même plan que Ève. Donc là, je vis la même chose qu'elle, là tout de suite, maintenant. Et c'est pour ça que ça te permet de partager. Et c'est important que cette information soit transmise, puis que ce soit en même temps visualisé, ressenti, imaginé. Et chacun faisant ça peut également bénéficier de ce genre d'énergie sur les plans quantiques.
Mon corps physique ne vibre pas de la même façon. C'est comme s'il était soulevé, qu'il flottait, et que toutes les cellules vibrent à une autre fréquence, qui est une fréquence d'activation, de guérison, de réorganisation, et que quand le processus est fini, clac, il y a une remise à niveau dans le corps physique, avec modification instantanée. C'est la première fois que je ressens ça. Ben oui, c'est la première fois que je le fais. C'est comme si c'était une... comment dire, une sorte de table d'opération virtuelle, mais sur une autre fréquence. Et toujours pour faire l'analogie, dans, comme on voit dans ces films-là, tu sais, ces sortes de tables d'activation, de régénération des corps. Comme il y en avait en Atlantide, à ce qu'il me semble. C'est comme ça qu'il guérissait dans des pyramides. Mais là, ça vibre réellement différemment. C'est, ça va beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Haut, beaucoup plus loin, beaucoup profond. Plus profond. Et ça vient vraiment du cœur de chaque cellule. Bon, bah c'est une bonne nouvelle. Tu me dis quand c'est bon que je peux penser. Et il faut même en fait garder le contrôle, parce que ça pourrait partir en vrille assez vite, en fait. D'accord. Est-ce qu'on peut placer un système pour que le contrôle soit gardé? Mettre un dôme de protection énergétique. Alors, installation. Donc, avant le processus, il faut le faire? Oui, pour que ça reste... À quel moment je mets ce dôme? Pour que ça reste stable. Ce qui a déclenché cet effet-là au niveau cellulaire, c'est quand tu as commencé à parler de l'Atlas. D'accord. Ok. Donc c'est là que je mets le dôme alors, à ce moment-là. Oui, oui. Alors, je note. C'est important. Ok, allez, le protocole s'affine. C'est bien. Alors, allons-y. On peut continuer? Oui. Alors, système cérébro-spinal, c'est fait? Oui. Système nerveux, il est fait? Oui. Système sanguin, avec les filtrations, c'est fait aussi? Oui. Le système lymphatique avec les mêmes filtrations. Oui, c'est bon. Système énergétique des méridiens avec tous les points connus et inconnus. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage et tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Système cardiovasculaire. Oui. Système respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes immunitaires hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire et évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. C'est bon. Système visuel. Oui. Système auditif. Oui.
Système olfactif et gustatif. Ah oui. Système kinesthésique. Ah oui. Système dentaire. Ah oui. Système bioélectrochimique. Ah oui, il y a chaque cellule en fait qui ben, c'est tout à fait étonnant. Mais je te dis ce que je ressens. Oui, surtout, partage-nous tout, on veut tout savoir. Au cœur de chaque cellule, il y a comme une forme d'exaltation et de joie. C'est fou. Et c'est comme une éclosion. Chaque fois, à chaque système que tu cites, il y a une éclosion de joie qui se produit et ça transforme. Et ça se fait toujours dans cette atmosphère de vibratoire, là, très particulière. Et c'est immédiat. Mais c'est très agréable aussi. Et oui, profites-en un max. Hein. Et d'ailleurs, je conseille à tous les auditeurs qui auront accès à cette vidéo de se connecter et voilà, de ressentir tout le processus. C'est possible. Ça se transmet d'une manière quantique. Et plus on en est conscient, et plus on l'active, on reçoit C'est l'énergie de vie en fait qui a la force de vie. qui jaillit quoi. Puissance de création, Oui. la conscience d'amour. Oui, c'est ça. C'est bon. Système bioélectrochimique, je ne sais pas si je l'ai dit, tout ça me perturbe, me Oui. déstabilise, on va dire. C'est bon. L'équilibre acido-basique. Oui. Les cycles vitaux, organiques et systémiques. Oui. C'est important les cycles aussi. Oui. Très bien. Maintenant, le système des chakras principaux, avec toutes les glandes associées. Décalcification, nettoyage, activation, reliance et optimisation de chacun. Sur ce plan-là, en fait, ça fonctionne différemment. Oui. C'est comme s'ils étaient comme dans une sorte de suractivité, mais positive, de nettoyage et de purification. C'est bon. Très bien. Les chakras secondaires. Oui. Chakras souterrains. Oui. Chakras aériens. Oui. Et les corps associés aux chakras principaux. Alors, quand je dis chakras principaux, on a pu voir qu'il y a des gens qui ont 7 chakras, d'autres qui en ont 8, d'autres qui en ont 9. C'est pour ça que je ne note pas le nombre de chakras. Alors, en l'occurrence, elle, combien est-ce que tu vois de chakras principaux? Alors au niveau du nombril, il y en a un. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y en a 8. D'accord. Ok. Et au-dessus de sa tête, il n'y en a pas? Au-dessus, donc mais il est au-dessus, donc ça dépend si tu le comptes Si, ou si, pas. on les compte, hein. Si, on compte les chakras. Quand on parle des chakras principaux, ça peut être au-dessus de sa tête, bien Ben, ça sûr. fait 9 alors. D'accord. Après, il y a les autres chakras aériens, mais c'est aussi les principaux. Ils sont Bien qu'ils plus soient loin. interreliés. Hein? C'est d'autres fonctions. Ok. Très bien. Alors maintenant, je vais, pendant que l'élémental continue son travail, nous allons prendre sa liste et travailler sur la liste.
donc qui concerne, je le rappelle, l'ancienne ligne de temps. C'est juste pour en obtenir les compréhensions, les informations et bien sûr affiner le travail. C'est bon? Oui. Alors donc, elle dit que vers 4-5 ans, elle a fugué de la maison, elle voulait retrouver sa vraie famille. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle à ce moment-là? Et bien sûr, elle est revenue au bercail. Elle voulait retrouver le groupe qui avait décidé de travailler au niveau énergétique, mais... Celle qu'elle appelle sa vraie famille. Oui, mais elle s'est rendue compte que ce n'était pas possible, puisque sur le plan physique, il n'y avait pas de possibilité de... Bah de rencontre directe, physique, c'était pas possible. Eh oui. Mais en tout cas, ça dénotait de la conscience qu'elle avait déjà de ne pas être seulement ce corps et cette personnalité. Oui. Qui a été reliée à plein corps, à plus grand que ça. Oui. Et elle cherchait donc sa famille de lumière. Oui, c'est ça. Très bien. Alors, elle a été maltraitée par tous les hommes, mari, père, etc. Voilà. Des coups et verbalement. Regarde, qu'est-ce qui fait qu'elle a eu cette condition de vie? C'est juste l'information, hein, pour nous, c'est évident, mais voilà. Déjà, ça s'est passé parce que, comme elle n'avait pas la totalité de son énergie dans le corps physique, ça crée comme une sorte de faiblesse. Et tout ce qui est faible, en fait, dans le monde dans lequel nous évoluons, ben on appuie dessus, en fait, sur les faiblesses. Comme quelqu'un qui est en train de se noyer, on lui appuie la tête sous l'eau. Ah oui. Après, elle a une lumière qui est particulière. Qui dérange. Oui, qui a été repérée. Et comme en plus, elle n'avait pas toute son énergie dans le corps physique, tous les humains là, qui ont commis ces violences sur elle étaient utilisés comme des canaux, en fait, par les forces noires pour l'éteindre. Eh oui, évidemment. Très bien, mais bon, ça c'est du passé. Elle comprend maintenant que tout ça c'est de l'histoire et ça ne lui appartient plus. Et d'ailleurs, dans cette nouvelle ligne de temps, tout ça n'a jamais existé. Non, personne ne peut l'approcher là. Très bien. Ok. Donc, elle est dyslexique. Et puis, bon, tout ce qui finit par IC, d'accord, d'ailleurs. Regarde qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cet état. C'est ces dispositifs de type électromagnétique qui, en fait, venaient modifier toutes ses perceptions. Ça venait rentrer en concurrence avec ses propres champs biologiques. Donc ça venait brouiller les messages. Ok. Bon. C'est des champs qui sont... c'est pas des champs biologiques, parce que ça vient rentrer en concurrence avec. Ça venait séparer, comme j'ai vu tout à l'heure, la tête du reste du corps et droite-gauche, cerveau droit, cerveau gauche. Bon, en tout cas, tout ça est réparé. Ça n'a jamais existé non plus. Non, il n'y a plus ça. C'est juste pour comprendre. Hein. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est sensible à toutes les piqûres, qu'elle a une peau sensible comme ça, une hypersensibilité? C'était les dispositifs ou c'est sa nature? Ça vient toujours du fait que toute son énergie n'était pas sur le plan physique. Ah oui. Et elle était déjà bien agressée sur le plan éthérique par tous ces dispositifs. Donc, c'est comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ok. Bon, tout ça est aussi rééquilibré, harmonisé. Ça ne se produira plus quand ce sera intégré. Non, il n'y a plus rien de, voilà, de tout ça. C'est juste pour l'information. Ok. Bon, elle a eu énormément de grossesses. Hein. Alors... Bon, bah on a vu ces mantes-là, que c'est leur spécialité. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, alors? Sa matrice était utilisée par les mantes. Ah oui.
Mais elle a été utilisée beaucoup de fois, beaucoup plus de fois que celle qu'elle a pu constater physiquement. Oui, bien sûr, sur les plans subtils, il se passe plein de choses. Bon, bah, tout ça est nettoyé, hein. Les jumeaux qui sont partis l'un après l'autre, là, bon, parce qu'elle a fait. Donc, c'est des âmes qui avaient prévu de s'incarner et de vivre cette situation ou qu'est-ce que tu peux dire pour ces jumeaux, par exemple, qui n'ont pas pu vivre cette incarnation? En fait, il y a eu un bref passage, mais sans installation. Oui, c'est ça. Et Il y comment ils ont a... vécu ça, eux? C'était prévu dans leur plan ou ça leur était imposé? Est-ce qu'ils l'ont subi? Non, c'était juste un essai et ça n'a pas marché là, ça n'est pas grave. Pour faire une analogie, c'est comme un avion qui tente d'atterrir. Si le terrain est trop n'est pas suffisamment stable ou propice à l'atterrissage, eh bien l'avion repart et va atterrir ailleurs. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas de Ok. conséquences ni positives ni négatives. Et ça se passe relativement souvent, en fait, dans les processus d'incarnation. C'est comme si on essayait un costume et qu'on se dit, bon non, ça me convient pas, hop, je me barre. Oui, c'est ça. Ok. Très bien. Donc, humainement, on dramatise tout ça et en fait, ça n'a pas lieu. Ce qui ne veut pas dire qu'avec des désinvolture, il faut faire des avortements et sans conscience. Mais je veux dire, en même temps, sur un plan de conscience supérieure, tout ça n'est pas si dramatique. Alors, il peut y avoir beaucoup de cas de figure possibles, Oui. donc on ne peut pas généraliser. Mais dans son cas-là, dans ce cas-là, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Très bien. Ok. Alors, autre point, depuis qu'elle est dans cette maison, donc tout est parti en vrille, jusqu'à des insectes dans la maison, enfin, etc. Oui, Qu'est-ce qui parce se que passe? c'est un vortex qui sert de point d'accroche, Ah, de il y a un balise au vortex. vaisseau. Ah oui, d'accord, ok. Bon, on verra ça tout à l'heure dans le nettoyage. Ok. Alors, elle rêve souvent de la maison dans laquelle elle a grandi. Elle aimerait ne plus rêver. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle rêve souvent de cette maison? C'est une bulle de création. Dans sa recherche de sécurité. C'est comme si une partie d'elle se sentait toujours en insécurité et cherche à tout prix à se raccrocher à du connu. Elle crée, elle a créé littéralement une bulle dans laquelle elle va régulièrement. Ok, est-ce qu'aujourd'hui elle en a encore besoin? Non. Bon, alors elle est d'accord pour se débarrasser de Il y cette a bulle? beaucoup mieux que cette bulle qu'elle avait Ouais. créée. Beaucoup mieux. Disons que ça lui a été nécessaire un temps. Oui. Elle a eu sa fonction utile, qui ne l'est plus aujourd'hui. C'est ça. Elle est d'accord avec ça? Oui. Elle est d'accord pour s'en débarrasser? Ah oui. Alors on le fait à trois, avec trace, mémoire et empreinte et tout système reproductif. Un, deux, trois. C'est parti. Très bien. Et maintenant, elle se reprogramme. Elle reprogramme son corps mental. Elle va dire que elle apprécie d'être libre, souveraine, de ressentir sa puissance intérieure, ses connexions avec toutes ses parties supérieures qui sont la vraie réalité. Et que où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, elle est dans son équilibre, dans son être, dans sa. De toute façon, maintenant, elle est dans son plein équilibre, sa pleine énergie, et elle n'a plus besoin de ça, en fait, Voilà. hein. Alors, C'est comme si maintenant, elle était pleine, entière et adulte, mais elle n'est plus comme cette petite fille apeurée qu'elle a été. très bien. Ça, c'est fini.
dans sa souveraineté, sa liberté, sa complétude, son Oui. autonomie, Oui. et de tout ce dont elle a besoin et qui est en elle, qui est maintenant pleinement disponible, Oui. sans chercher à l'extérieur. Ok. Bon, alors je veux qu'elle le ressente pleinement maintenant. Je veux que toutes ses pensées, toutes ses convictions, toutes ses certitudes maintenant s'incarnent. Je veux qu'elle ressente d'abord émotionnellement dans son voilà, ses sentiments et ses émotions qui se déploient maintenant. Madame, elle ressent du bien-être et de la complétude. Voilà. Et pour bien l'incarner, elle maintenant, elle le transmet à sa cellule mère, qui va informer toutes les cellules de son corps, pour le ressentir pleinement, en avoir les sensations, comme une certitude puissante et inaliénable et intouchable. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, elle dit qu'elle aurait aimé être boulangère. Bon, ça n'a pas pu se faire, pâtissière. Et elle aimerait savoir quel est son don. Alors, qu'est-ce qui peut lui être dit par rapport à comment appliquer finalement sa créativité dans ce monde, dans l'épanouissement, dans l'utilité pour son plus grand bien et celui de tous, et dans ce qui l'a fait se sentir exister et légitime dans ce monde? C'est une ancienne mémoire, en fait, un ancien projet qu'elle avait sur un autre plan de transformation de la matière. Ça lui paraissait quelque chose de juste dans son objectif de transformation de la matière, dans la joie et le plaisir, et de transmettre cette joie et ce plaisir aux autres. D'accord. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle ligne de temps, comment est-ce qu'elle va pouvoir appliquer cette créativité? Sans dire ce qu'elle doit faire, évidemment, puisque je suppose qu'elle doit le trouver intérieurement, mais qu'elle reconnaisse ses qualités qui sont en elle, qu'elle peut exprimer de la manière qu'elle choisira. C'est comme si à un moment donné, elle avait fait un blocage là-dessus, ou une fixation sur ce projet-là, mais sur un autre plan, avant, en préincarnation. Là, maintenant, elle se rend compte qu'il y a une infinité de voies possibles. Oui, c'est de jouer avec la matière, de la transmuter, oui, l'énergie, c'est ça. De la varier, etc., de la travailler. Mais il n'y a pas de réponse sur une activité en particulier, parce que le choix est tellement vaste. En fait, ça peut être n'importe quoi. Oui. N'importe quoi peut être le support d'exercer sa créativité. C'est ça. Et d'y mettre son amour et de déployer son énergie. C'est ça. Et d'être en communication et en lien avec ce qu'elle veut transmettre. Ah oui, là, il y a vraiment une infinité de possibilités. Voilà. Elle pourrait choisir d'être basson ou de faire de la confiture, peu importe. Peu Ce qui importe. Compte, c'est la conscience qu'elle y met. Même si c'est quelque chose qui n'est pas strictement manuel, il y a quand même... action sur l'énergie. Et même je t'y rajouterais que même si elle ne fait rien, elle est quand même agissante. Oui. Donc faire doit partir d'un plaisir et non pas d'une obligation. À partir du moment où c'est considéré comme une obligation, c'est une... ça dévie. Ben oui. Et c'est plus dans la justesse. Exactement. Ça doit partir que de l'intérieur. Ça oui. doit faire pétiller, ça doit donner de la joie. Ça doit se sentir vivant et exprimé. C'est ça. Très bien. Quoi que nous choisissions, et même si on ne choisit rien, mais généralement, comme on est des êtres créateurs, notre plus grand plaisir, c'est de créer. Donc, c'est d'être en mouvement. Si on choisit rien, si on fait rien... ça peut se retourner contre soi-même, parce qu'il faut qu'il y ait fluidité et circulation de l'énergie. Ben oui, puisqu'on est créateur. Donc, donc l'énergie cherche de toute façon, par tous les moyens, à s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Voilà, à circuler. Manifester, circuler. Ouais. Très bien. Alors,
Donc, elle a une société, elle est toujours dans la limitation, toujours en manque d'énergie, de temps, d'argent. Bon, qu'est-ce que tu veux rajouter avec tout ce qu'on a vu? C'est évident, mais qu'est-ce qu'il y a C'était de tout ça? lié directement à sa situation énergétique où toute son énergie n'était pas dans son incarnation physique. Donc, ça, ce qui est à l'intérieur rejaillit à l'extérieur, dans son entourage, dans ses activités. Et ça, c'était avant. Oui. Très bien. Alors maintenant, elle peut se constituer dans une bulle de création hein, au sein de son activité ou même plus loin et faire en sorte que maintenant, cette bulle attire tout ce qui lui est nécessaire, toute l'abondance, tout ce dont elle a besoin ou tout ce qui est pour son bon plaisir. Elle peut faire une bulle d'attraction qui attire dans la facilité, la grâce et le plaisir, tout ce qui est nécessaire, qu'elle a besoin ou pour son bon plaisir. Mais là, de toute façon, ça fonctionne différemment parce que tout vient de l'intérieur. Donc, à partir du moment, c'est l'intérieur qui crée l'extérieur. C'est soi-même qui créons notre propre réalité. Donc, ce Oui. qu'on croit être en fait des limitations extérieures, c'est étrange ce que je vais dire, mais c'est notre état intérieur qui les crée. C'est ça, c'est une autocréation, Oui. même si c'était favorisé par l'extérieur. Oui, mais c'est réellement. Nous qui créons. Oui. Et donc, quand on est dans l'état d'être, qu'on est parfaitement équilibré et conscient, tout se fait naturellement. C'est ça, l'extérieur change aussi. Voilà. Puisque C'est vital. la création est différente. Très bien. Alors, si elle veut, elle se fait sa bulle de création, ou elle est simplement consciente que maintenant, dans son état d'être, tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement. Là, elle est dans une énergie radicalement différente. Alors, autre chose, elle est accro au Coca Light, voilà, depuis qu'elle a eu son premier enfant. Pourquoi depuis son premier enfant? Regarde. Ça a comme déclenché quelque chose. Alors, ce liquide-là qu'elle absorbe, ça agit comme une sorte de contacteur de fluidifiant ou de lubrifiant, même en quelque sorte. Par rapport à tous les dispositifs qui sont installés sur elle. Ça fait comme un contacteur au niveau électromagnétique par rapport au dispositif qui est installé sur elle. Et ça venait faire mieux fonctionner ces dispositifs qu'elle avait installés sur elle, et notamment ceux liés à la procréation. Mais c'est pas elle que ça servait, hein. C'est-à-dire que, en quelque sorte, elle a été mise artificiellement en contact avec ce type de substance parce que ça sert non pas elle, puisque c'est plutôt néfaste pour le corps humain, mais ça sert le travail de ces entités. Parce que D'accord. ça change. Au niveau biochimique, ça change comme des contacteurs dans le corps. Ok. C'est compliqué à expliquer, mais. Non, mais c'est pas grave. L'important, c'est que les choses soient faites. Donc, on va couper les activités, tout ce qui doit l'être. En plus, elle n'a pas besoin de ça parce que c'est pas. Pour le corps humain, c'est pas bon. Toxique. Oui. Donc, on va couper tout ce qui favorise ça sur tous les plans, mental, émotionnel, physique, les mémoires, les inscriptions, les programmations. On fait le package. Il y a un programme d'addiction qui lui a été installé. Ouais, donc on élimine tout, hein. On fait le package sur tous les plans. D'accord, on ne détaille pas.
sonde alimentaire va détecter tout ce qui permet jusqu'à l'envie, jusqu'au besoin, jusqu'à l'imagerie, jusqu'aux sensations. Tout est coupé, désactivé. 1, 2, 3. Avec trace, mémoire et empreinte. Et système reproductif. Y a plus rien. Voilà. Et maintenant, elle va s'alimenter au coca de son esprit, au coca de son essence. Et qui n'est pas là, il te lui. C'est un programme d'addiction artificielle qui lui avait Oui, été mis en bah place. oui. Donc, il n'y a plus rien, tout est disparu. Il n'y a plus rien. Ok, alors pour la cigarette, c'est le même système. Tout ce qui a été fait, c'est pareil pour la cigarette. On est d'accord? Allez, avec trace, mémoire, empreinte et système reproductif, duplicatif. 1, 2, 3. Là, il y a plusieurs dispositifs. Autant pour la boisson, là, il y avait un seul programme d'installer. Pour la cigarette, il y en a plusieurs, sur plusieurs niveaux. Ça, c'est pour la maintenir dans un certain type de fréquence, comme à disposition. Il faut qu'elle fasse tout sauter. Il y a Allez, cinq dispositifs différents. on y va. Allez, avec trace, mémoire, empreinte et tout système reproductif et duplicatif. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Maintenant, on va regarder tous les réflexes, toutes les habitudes, toutes les imageries, tous les ressentis, jusqu'au plus profond de la cellule. Tout maintenant est nettoyé, transmuté. D'accord? Tout est Je compte à nettoyé trois. là. Ça y est, tout y est? Oui. Ah bon, d'accord. Parce que quand c'est parti, ça fait un nettoyage en même temps. Très bien. Ok. C'était sur des couches assez profondes dans les dispositifs. Ok. Alors, autre chose, elle a deux sœurs qui sont vivantes et une qui a quitté ce monde. Je considère qu'elle est toujours vivante, mais sur d'autres plans. Mais bon, donc, elle aimerait savoir quel est le lien qu'elle a avec ses sœurs, celles qui sont dans ce monde et celles qui ne l'est plus. Regarde s'il y a des liens particuliers avec chacune. Il faut considérer qu'il y a comme plusieurs groupes qui sont venus tenter en quelque sorte l'expérience terrestre. Ces sœurs ne font pas partie du même groupe qu'elles, mais elles étaient en correspondance, comme côte à côte. Et avec des communications en pré-incarnation. On va tester quelque chose de différent, mais pourtant de proche. Donc, elle a connu leur essence en fait avant l'incarnation humaine. Mais pour vivre cependant des expériences différentes. Mais elles ne sont pas totalement étrangères en fait. C'est comme une impression de déjà-vu, comme si elles se connaissaient avant. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut les faire venir et leur demander si elles ont besoin d'un coup de main? Toutes les trois, même celle qui a quitté ce monde, si elle veut se présenter, si ça lui est possible. Alors les deux sœurs qui sont sur le plan terrestre, elles sont en train de batailler ferme en quelque sorte. Elles sont dans une sorte de lutte pour arriver à leur objectif. Et celle qui n'est pas là avec nous. C'est plus léger, elle est comme en phase de repos. D'accord. Demande-leur si elle veut faire le travail pour elle-même. Toutes les trois.
Parce que même si elle est en repos, elle peut quand même avoir besoin d'un coup de pouce. Oui, parce qu'elle est en repos, mais avant d'y retourner. Oui, avant qu'on la renvoie, c'est ça. Hein? Donc elle est d'accord pour se libérer de tout ça. Oui. Alors chacune va se connecter à son essence. Donc sa sœur désincarnée aussi. Et les deux autres vont se créer des racines. Ça va beaucoup plus vite pour la sœur qui est désincarnée. Voilà. Elle, ça se fait immédiatement. Et une fois qu'elle est connectée, elle peut remonter jusqu'à sa source. Elle se libère de cette emprise. Oh, ça se fait tout de suite. Voilà. Donc les deux autres se créent leurs racines, qu'elles programment juste pour cette existence. Elles regardent l'arbre généalogique et leur ADN. Et elles s'inspirent du travail qu'a fait leur sœur pour elles-mêmes, dans ce qui est bon et juste pour chacune, spécifiquement. Ça leur apporte de la force. Voilà. Donc elles regardent tout le protocole et elles font pour elles-mêmes ce qui est bon et juste. On les retrouve pour la douche finale si elles le veulent. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Très bien, alors on continue de notre côté. Elle a un tatouage, donc sur la hanche gauche. Regarde ce tatouage. Bon, c'est une rose. Comment tu le vois d'une manière informationnelle ou énergétique? Comment tu vois ce tatouage? Est-ce qu'il est actif ou pas? Alors, elle l'a fait pour dans une tentative en fait de résistance à toute intrusion sur elle. Oui. Sauf que ce tatouage, il a été récupéré, il y a comme des fils. Même sur la partie qui est détruite, il y a quand même des fils énergétiques qui sont toujours là. Même dans ce qu'on a fait avec le protocole, c'est quand même resté. C'est les mémoires qui sont restées. D'accord, alors on élimine. Trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Là, c'est bon. Très bien. Donc là, maintenant, on peut dire que c'est juste un dessin et que c'est inerte, c'est ça? C'est ça, c'est totalement inerte. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce qui fait qu'elle a un gros ventre? Elle dit qu'elle a un ventre qui est prédominant par rapport au reste du corps. Regarde ce qui se passe. C'était lié au travail des mantes. Alors, tu sais, quand tu fais je me souviens plus le nom. Il y a un type d'opération où on n'ouvre pas le ventre, mais on insuffle de l'air pour faire enfler. Ah oui. C'est ce type de processus en fait qu'elles font les mantres pour pouvoir travailler correctement. Et ça vient s'imprimer directement sur le corps physique. D'accord. Bon, est-ce que dans cette nouvelle ligne de temps, son alimentaire a tout régularisé là? Est-ce Là, que il y a plus rien du tout là. tout est remis en ordre? C'était Oui. juste pour l'information. Oui. D'accord. Il ne reste pas de traces mémoire ou empreintes? Non. Bon, très bien. Ok. Alors. Elle dit qu'il y a des poils à la barbe alors, donc une pilosité au menton. Oui, parce qu'il y a un travail sur ces hormones Oui. qui était fait toujours dans ces actions de procréation. D'accord. Donc, il y avait des... C'est au niveau hormonal que ça se passe. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur les hormones ou on lui achète un rasoir? Non, je rigole. Je vais me faire engueuler. J'ai de l'humour, hein? Bon, allez, qu'il régularise tout là, que cette pilosité excessive qui n'a rien à faire là soit régularisée au niveau hormonal et à tous les niveaux nécessaires. Ça s'est régularisé tout à l'heure, en fait, dans le travail qu'elle a fait. D'accord. Là, elle revérifie, elle repasse dessus. Mais le travail a été fait, c'est bon. Très bien. Ok.
Donc au niveau ORL, les yeux, les dents, etc., d'où tu as été fait, je pense qu'il n'y a rien à rajouter. Tout a été fait tout à l'heure. Surtout que ça a été assez puissant. Oui. Donc je pense que... alors, c'est au niveau de... Donc elle a un immeuble et donc au niveau de sa relation au locataire, voilà, ils ont apparemment tous du mal à payer en temps et en heure. Bon, l'argent a du mal à rentrer. Regarde ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est dû aux interférences? Bah, c'est encore lié à son état intérieur. D'accord. Tout à l'heure, quand c'est son une entreprise qui était évoquée, là c'est le même processus, c'est la même C'est la même chose. chose. Donc en définitive, tout se régularise là. Oui, Hein? Tout va rentrer, tout va aller dans c'est l'ordre. toujours l'état intérieur qui se reflète à l'extérieur. Donc le manque d'énergie intérieure se reflète en manque d'énergie extérieure. Ah oui. Ok. Bon, alors on va appeler ses trois enfants et son mari. Oui. Voilà, demande-leur si eux aussi sont OK pour faire le travail. Qu'ils regardent tout ce qu'elle est en train de faire, au moins qu'ils soient déjà là. Oui, ils sont là, ils regardent. Donc, ils sont intéressés pour le faire pour eux-mêmes. Est-ce qu'ils ont déjà commencé ou pas? Ou ils s'attendent une permission? Ou est-ce qu'ils sont en train de réfléchir? Ils attendent, c'est pourquoi pas. D'accord, ok. Bon, eh bien écoute, tu peux les inviter à y aller, à le faire. Donc pareil, connexion au soi, à l'essence, enracinement, arbre généalogique et ADN et tout le reste du protocole qu'ils font chacun à son, à sa façon. Oui, c'est bon, ils ont commencé. Très bien, tous. Chacun à leur rythme, on va dire. Oui, c'est bon, ça je dis chacun à sa façon. D'accord. Ok, eh ben nous on va j'arrive à la fin de sa liste. Donc on va continuer le protocole. Donc on va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve avec duplication et copier-coller. 1, 2, 3. C'est fait. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps de quelqu'un d'autre, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, peu importe. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. Couper, désactiver. C'est bon. Couper, désactiver et éliminer ce qui peut l'être de tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine, qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations. On coupe, désactive et élimine ce qui peut l'être. 1, 2, 3. C'est fait aussi. Couper, désactiver avec toute photo, image, objet en lien avec elle. 1, 2, 3. C'est coupé, désactivé. Couper, désactiver ou éliminer ce qui peut l'être toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. C'est fait, c'est coupé. Alors maintenant, la série des activations. Activation du diamant du cœur. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. C'est fait. On va lui faire le processus de rajeunissement. Est-ce que tu vois que c'est nécessaire? Bah, en fait, avec ce qui a été fait tout à l'heure, Ça devient presque inutile. oui. Bon. T'es sûr de toi? On essaie quand même? On peut le faire quand même, oui. Ça fait comme Allez. une vérification. Allez, on le fait. Donc, activation de la partie divine, de la particule divine dans son cœur, qui déclenche la fontaine de jouvence. On regarde si ça y fait quelque chose ou pas. En fait, ça a été fait, donc là, c'est comme si elle venait vérifier le travail. Allez, c'est pas grave, on vérifie. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement.
Oui. Programmer et informer la cellule mère, de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celles de la régénération et du rajeunissement. Oui. On fait suite de la... Ça Oui. met en fait, alors en fait, ça a été fait tout à l'heure, mais là, ça met comme un coup de projecteur sur ce point-là précisément. Très bien. Allez. Un coup de projecteur d'intention. Ok. Alors, on va faire le processus de guérison instantanée. Tu vas me dire, c'est encore superficiel, aussi superflu, mais bon. On va quand même le faire. Elle place sa conscience donc dans son espace morontiel. Oui. Elle fait descendre l'information jusque dans toutes les parties bloquées et à réparer. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau ou il y a quand même quelque chose? C'est le même processus, c'est un éclairage d'intention, un coup de projecteur d'intention. D'accord. Et l'activation de l'arbre séphirotique. Oui, pareil. Pareil. Très bien. Alors, ceci dit, on va regarder maintenant son ADN. Dis-moi combien est-ce que tu vois de brins d'ADN de connectés? Il y en a 10. 10. Il y en avait combien avant la séance? Il y en avait 4. Ah oui, carrément. Oui. Elle peut en rajouter d'autres? Non, non, là Non. c'est ça suffit. D'accord. Qu'est-ce que ça va changer pour elle alors? Que de 4 à 10, c'est un saut quantique là. Oui, c'est ce qu'elle a fait tout à l'heure, le saut quantique. Ça la maintient dans cet état énergétique et vibratoire présent. Ça correspond à cet état-là. Très bien. Combien de temps est-ce que tu vois qu'il va falloir pour l'intégrer complètement cette séance? Quelle fourchette de temps? En sachant que ça va varier en fonction de son attention, de son intention, de la manière qu'elle va gérer l'énergie, de ses pensées, de ses émotions. Entre 1 mois et demi, 2 mois et 6, 7 mois. Ah oui, c'est court, hein? Oui, parce qu'elle a fait ce que j'ai appelé le saut quantique, en fait. Donc, si elle est dans l'état d'être idéal, dans 1 mois et demi, 1 mois et demi, 2 mois, elle est parfaitement intégrée. Oui, disons que ça. Ça fait comme un processus, mais ça fait des. C'est comme un passage de plusieurs anneaux et ça fait des vagues. Donc Est-ce qu'il c'est pas tout d'un coup d'un bloc, en fait. Oui, on sait bien que l'intégration se fait par parfois reculade, Oui, c'est avancée, ça. réajustement, C'est ça. etc. Est-ce que tu vois qu'elle va vivre des inconforts suite à ce processus? Oui, parce qu'il va y avoir en fait des doutes. Parce que ce qui est du domaine de. Ça commence en fait de l'intérieur. Et ça va comme ça vers l'extérieur. Donc tout ce qui est de l'extérieur, les phénomènes extérieurs, ça a comme un temps de retard. Donc tout ce qui est extérieur et qui va dans un premier temps continuer. Comme avant, je sais pas, par exemple des retards de paiement ou des choses comme ça, là ça va mettre l'énergie du doute. Et Oui, parce c'est qu'il peut y avoir là. une accélération, c'est ça, des dysfonctionnements. Oui. Et donc là, elle peut se dire, oh, c'est pire qu'avant, ça n'a C'est pas ça. marché, C'est ça. c'est n'importe quoi, je me suis fait avoir. C'est que des conneries, tout ça. Donc là, il faut qu'elle renforce le noyau de l'intérieur. Pour envoyer encore plus de cette nouvelle énergie vers l'extérieur, et ça va se régulariser. Ça va Très bien. s'exprimer physiquement, sur le plan physique, à l'extérieur aussi. Très bien. Donc la clé, c'est confiance et conviction. Oui. Et pourquoi pas de la joie et de la Oui. gratitude Oui. envers toutes les parties d'elle-même. Oui.
Voilà, ça c'est la clé, quoi qu'il se passe. Ok, alors on va procéder au nettoyage de son domicile. Regarde chez elle, regarde ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il y a. Donc, il y a ce vortex qui est couché et inactif. Très bien, avec ce qui a été fait. Oui. Très bien. Couché et inactif, eh ben, on va carrément l'éliminer, hein. On supprime. Il y a des dispositifs qui soutenaient et qui manifestaient ce vortex. C'était dans la pièce où ça? Oui, en fait, ce vortex texte servait de point de repère et d'accroche au vaisseau. Donc le vortex lui-même est inactif et couché, mais il y a tous les points d'ancrage qui eux sont toujours là. Alors on élimine le vortex et point d'ancrage avec trace, mémoire, empreinte et système reproductif et duplicatif. 1, 2, 3. Sur tous les plans. C'est bon. Très bien. Si tu continues à scanner son domicile, est-ce que tu vois d'autres choses? Portail, ouverture, tunnel, dispositif, implant. Oui, il y avait le tunnel, qui menait directement au vaisseau. Il est toujours là. Il est toujours là, oui. Alors elle fait une grosse tornade et elle nettoie tout. Allez, ça ferme tout, ça efface. C'est bon, là, il n'y a plus rien. Très bien. Est-ce que son domicile est placé sur un lieu géobiologique perturbé ou particulier? Non, ce qui perturbait, c'était ce vortex. D'accord, donc il n'y a plus rien. Non. Très bien. Alors partout elle installe fleurs de vie, plaques Tesla et graines de vie. Oui, c'est bon. Activé, bien sûr. Oui. Sur le contour général, un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie pour tout le vivant. Oui, c'est bon. Elle y installe une fleur de vie, une graine de vie activée sur le diamant. Oui. Sur le plafond, le gros boîtier qui va filtrer l'air, y compris nanotechnologie, et produire l'effet Niagara, puissant, rafraîchissant, revigorant. Oui, c'est bon. Elle remplit tout son espace de sa propre énergie. Oui, c'est bon. Elle met tout ça dans une bulle christique de protection. Oui. Et elle et sa famille, chacun dans sa bulle christique de protection, qu'ils peuvent activer et désactiver à volonté et seulement eux. C'est bon. Très bien. Alors, on va appeler son soi supérieur et lui demander qu'est-ce qu'il pense de ce qui a été fait. Alors là, l'équilibre est rétabli. Elle est dans sa pleine puissance, puisque pleinement incarnée maintenant et sécurisée dans son incarnation avec le code qu'elle a mis en place tout à l'heure. Oui, ça c'est encore la nouveauté d'aujourd'hui. Très bien. Alors, est-ce qu'il a quelques mots à son attention et qu'il écoute derrière cet écran, ici et maintenant? Que contrairement à ce qu'elle croit, elle peut agir avec l'énergie dans le plan physique. Il suffit qu'elle suive son intuition. Et ça, elle va les avoir, les intuitions. Ça va venir tout seul. En fait, il suffit qu'elle lâche le mental, qu'elle laisse plus de place à l'intuition et les informations vont arriver. Bon, n'oublie pas, t'es une magicienne. En plus, elle a déjà, c'est comme si les canaux étaient déjà ouverts, mais qu'elle en utilisait, je ne sais pas, que 10%. Mais comme maintenant ces canaux sont sécurisés, elle peut tout utiliser.
Très bien. Bon. Ok. On va le remercier. Appelle son âme pour voir comment tu la vois. Elle est calme, détendue et sereine. Elle veut s'exprimer. Elle glisse en fait, c'est comme si elle nageait entre deux eaux sereinement. Alors quand je dis deux eaux, c'est en fait c'est de l'énergie. Elle est plus bloquée comme ça dans l'anxiété. Là, ça s'est dénoué et elle glisse, elle l'accompagne en fait. Non, elle a rien de. Elle lui transmet en fait son nouvel état d'être, mais il n'y a pas de message spécifique au niveau des mots. C'est simplement la transmission. Elle lui transmet de son nouvel état d'être. Ok. Très bien. Alors, c'est le moment où on va rentrer, retourner. Donc, on va donc terminer cette séance. Avant de la terminer, on va saluer tout le monde, bien sûr, dans cette nouvelle ligne de création et cette nouvelle version de Ève, en pleine connexion et partenariat avec ses parties supérieures. Nous allons redescendre nos fréquences tous les deux et les saluer, évidemment. Ah oui, c'est bon. Très bien. Nous réancrer. Ah oui. Te régénérer. Totalement. Et tu peux ressentir à l'intérieur, sur et autour de toi, toutes ces énergies qui te ravigorent, qui t'expansent, qui te font pétiller et frétiller. Tu peux te sentir pleine d'énergie, prête à soulever des montagnes. Sentir une puissance tranquille en toi, pleine d'optimisme. Oui, c'est bon. Très bien. Ok, alors on invite tout le monde à la douche énergétique. Oui. Voilà, chacun trouve son portail, sa cascade, et nous la nôtre. Et chacun est sous cette eau de très haute fréquence qui est faite de sons, de couleurs, d'énergie, de lumière, de rayons, de parfums. Alors, en ce qui concerne Eve, quel parfum sens-tu? C'est la violette. Violette. Très bien. C'est fin, léger, aérien, discret. Donc je rappelle que ces parfums ne sont pas tout le temps les mêmes. Ils peuvent évoluer en fonction de nos mouvements énergétiques et de notre conscience. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Rien n'est figé dans la pierre, jamais. Donc c'est pour ça que je ne conseillerais pas de faire un parfum. Voilà. Puisque ça nous figerait dans, ça nous cristalliserait dans quelque chose qui est constamment en mouvement et en évolution. Mais c'est bon de savoir, pour l'instant, ton parfum, c'est la violette. Bon, alors, donc, parfum, géométrie et information originelle. Et chacun peut ressentir cet eau informationnelle à l'intérieur, sur et autour de soi. Et le ressentir et en profiter pleinement. Le savourer. Et en prendre du Oui. plaisir. Oui, c'est bon. Très bien. Dans la cellule mère de chacun, on installe une fleur de vie, une graine de vie activée. Oui. Et maintenant, la douche christique, or, diamant et bleu. J'ai le mental qui je cherche mes mots. Je dois travailler avec vous parce que c'est. Des fois, j'ai l'impression de d'être ailleurs, tu sais. C'est bon. Faut que je reste centré et concentré autrement. Bon, allez. Ouais, bah c'est le retour. Donc chacun va retourner à sa place respective, fermer le portail derrière soi.
Oui. Et nous allons procéder donc au retour. Est-ce que tu es prête? Oui. C'est parfait. Oui. 5, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou! Comment ça va toi? T'es bien ancré, bien revenu? Oui, ça va. Ouais. Bon, ben moi je ça va venir. Allez. Eh bien, écoute, Eve, excuse-moi, hein, je suis encore pas atterri, moi, par contre. Donc, tu peux remettre le micro. C'est fait, c'est fait. Voilà, alors. Waouh, on revient de loin. Moi aussi, j'oublie mes mots. Alors, j'ai retenu que si j'ai besoin d'un rasoir, je peux t'appeler dans quelques mois, c'est ça? Blague à part, c'est incroyable. Il y a plein de mots qui me parlent, et je me sens être. Oh. Je n'ai pas d'autres mots, je me sens être. Ah ben oui, ben c'est l'essence. C'est l'essentiel, être. Et voilà, donc merci, merci Emmanuel, merci Pascal, c'est vraiment, c'est tout ce qui a été dit me parle énormément, énormément, jusqu'à l'avion, la classe, et alors le groupe, c'est incroyable, c'est tout ça, ce sont des mots qui me parlent, et là maintenant je sais comment les mettre dans ma vie. Donc je suis très très émue. Alors, je sais ce que tu vas me poser comme question. Pascal, oui, je reste floutée, même si à chaque fois que Emmanuel disait lumière, il y avait la lumière au-dessus de moi. Donc, malgré ça, je reste floutée. Oui, non, mais sans aucun problème, bien sûr, puisque sur le plan Voilà. physique, il faut aussi, il faut aussi de la sagesse, hein. Donc, voilà, même si on ascensionne physiquement, tout, tant qu'on est dans le plan physique, il faut aussi avoir du discernement, de la sagesse et composer avec ce qui est là. Donc, Absolument. je comprends. Et alors, on se voit en mi-juin pour Pierre-Paul et Jacques. Très bien. Bon, mais écoute. Très bien, tu salues Pierre-Paul et Jacques et On fait comme ça. merci à Emmanuel et à Merci. bientôt. Moi, À j'ai des frissons partout, ça pétille toi. partout aussi. Hein. Oui, moi aussi, c'est C'est de l'effervescence, tu sais, c'est Waouh. une espèce de joie intérieure. Voilà, donc revois ta vidéo, revis-la, prends de l'information. Enfin, tu sais, hein, je ne vais pas radoter, même si je radote à chaque fois. Je Merci sais que beaucoup. ça peut être nécessaire quand même, donc je le fais. Et puis, merci pour ton autorisation. Et puis, j'aurai des nouvelles, bien sûr, quand tu voudras. Hein? Voilà, génial, Et en tout cas, génial. en juin, dans le pire Oui, des cas. voilà, absolument. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci toi Merci. aussi. À Merci, bientôt. à très À bientôt. bientôt. Et À puis, bientôt. plein de belles choses, hein, même avec ce qui se passe en ce moment. On sait que c'est pour un bien suprême. Tout est en train de se remettre en place. C'est un grand ménage qui se fait. Donc, il y aura des inconforts, mais si on le prend de la bonne J'ai de la façon. chance, j'ai une serre et alors je vais aller empoter les pots avec des graines de tomates et compagnie. Génial, parfait. Allez, à bientôt. À Au bientôt. revoir et merci à Au toi. revoir.